Morgen, allez, Iden, et ce sera aujourd'hui le Nishmat Richard Ben Fortune Mazal Claude, il sera Ben Fortune Mazal Dan, Myriam Bat Elisa Sayak. Si vous souhaitez vous aussi d'aider une prochaine étude de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étions à Sechet Souka, Perek Gimel, Mishnachet. En Ogdin et Alulav et la Bemino. Divrei Rabbi Yehuda, Rabbi Meir Omer, Afilo Bimshicha. Amar Rabbi Meir, Maase Beanche Yerushalayim, Shai Ogdim et Aluleven. Be Gimoniot Shalzav. On va parler à présent dans notre Mishnah de la Goudat Ezov, c'est-à-dire de la Goudat, la mitzvah d'être oged le lulav, de l'attacher le lulav. On a Mishnah Aleph Bet Gimel, on a parlé du lulav, du hadas, arava, après une petite pause sur la quantité, le nombre d'unités à prendre, après on a parlé du etrog, maintenant on va parler de manière générale aussi sur le tout. Que en ogdin et alulav et la bemino. Divrei Rabbi Yehuda, selon Rabbi Yehuda, il faut attacher les egod, hein, agad, c'est attacher quelque chose ensemble, en faire une agouda, comme on dit agoudat ezov, pour asperger pour le metzora, ou pour le. Alors là, il faut une agoudat ezov, agouda, quelque chose qu'on attache, ça devient une agouda. D'accord? Et donc, la Mishnah me dit qu'il faut attacher le lulav. Spécifiquement avec Bemino, avec quelque chose qui est de l'espèce du loulav. Je pense qu'on pourrait prendre aussi de la Rava et du Hadas, on y réfléchira ensemble après à la question. Pour l'instant, c'est la vie de Rabbi Yehuda, tandis que Rabbi Meir me dit Afilo Bimshicha, même si avec une corde. Et sur ça, je continue de la Mishnah pour qu'on expliquera mieux les sources de chacun. Amar Rabbi Meir vient me dire regarde, Maase Banche Yerushalayim, il y avait l'histoire, l'anecdote avec les habitants d'Yerushalayim. Shayu Ogdin et Lulven, Begimoniot, Shelzaav, ils attachaient leur Lulav avec des Gimoniot, je ne sais pas tellement précis c'est quoi, mais c'est des fils, j'imagine, des fils d'or, ils prenaient des fils d'or pour attacher leur Lulav. Donc tu vois bien qu'on n'est pas obligé de prendre de l'espèce du Lulav, tu peux rajouter aussi une espèce. Amroulo, ils ont retorqué Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, ou je ne sais pas qui. Mais il lui a répondu que non, ben Mino ayogdinoto milemata. En bas, il le fixe avec Mino, avec sa même espèce, et après il rajoutait notre espèce. Voilà pour la lecture de la Mishnah, on explique un petit peu mieux de quoi ça parle. Tout d'abord, il y a la mitzvah d'attacher le loulav, comme ce qu'on a l'usage de le faire. Il y en a qui prennent avec directement avec de la feuille de palme, ils font des jolis nœuds, il y a ceux qui. Pour les Ashkenaz, plutôt, en général, ils prennent le fameux kochikler. Le kochikler avec le. Où ils mettent dedans, ils les plantent dedans, comme ça tout est rattaché ensemble. Les Sfaradim, ils ont un autre problème en général pour le faire, parce que s'ils suivent le Harizal, qu'il faut mettre justement un Hadas, ici, appuyé entre les deux le Harava, donc du coup, ils peuvent plus faire à droite le Hadas et à gauche le Harava. Ça, c'est un autre problème technique. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, on a l'usage de les attacher, hein, qui font des jolis nœuds avec le lulav, comme ça fait une belle poignée comme ça. Ça, c'est le Agad, Eged, la Gouda, de les attacher. Ce Rabbi Yehuda vient me dit, tu sais, tu dois nécessairement prendre l'espèce du loulav. On va rester sur ça. Pourquoi? Parce que, alors, d'après Rabbi Yehuda, il apprend une Xera Shava, hein, de l'Ekicha, l'Ekicha. Il y a marqué chez nous, Olkartem Lachem, Bayom Arishon Priyat Sadar. Il y a marqué le mot Olkartem Lachem. Et il y a marqué sur l'aspersion du Metzora. Non, pas sur l'aspersion du Metzora, excusez-moi. Dans l'aspersion qu'il y avait au Corban Pessah, quand ils étaient encore en Égypte, alors la Torah l'a dit, « Olkartem al Goudat Ezov, utvaltem badam asher basav, vikatem al mashkov et la mezuzot. » La Torah me dit, « Tu prendras al Goudat Ezov, c'est l'hysope en français, une botte d'hysope, d'hysope attaché, tu devras tremper dans le sang du Pessah pour en badigeonner sur les montants de ta maison et sur les linteaux et le mashkof. D'accord? Ça, donc là, on apprend, et de là, autant, au même titre que là-bas, quand j'ai dû faire une agouda, il fallait que ce soit. J'ai dit le mot ulkartem, j'utilisais le mot agouda, le fait d'attacher. Alors ici aussi, pour le lulav, j'ai dit le mot ulkartem lachem, par Xera Shava, on apprend que tu dois aussi le faire en agouda. Ça, c'est la donnée de base de Rabbi Yehuda. De ce fait, Rabbi Yehuda, il me dit, écoute, puisque maintenant, je dois prendre, la Torah, elle me dit, tu prends un lulav, un hadas, un rava, et tu les attaches. La Torah, elle insistait que tu dois prendre trois espèces, plus une quatrième, le seul étrog, et la Torah, elle me dit, tu les attaches. Je suis obligé
de prendre comme attache du loulav et pas un fil de coton ou du lin ou ce que vous voulez. Pourquoi? Parce que si tu vas prendre autre chose, il s'avère que tu vas prendre maintenant, tu vas pour accomplir ta mitzvah, alors que la Torah t'a dit tu prends juste 4 espèces, arbata minim, tu es en train de prendre une cinquième espèce. 5 espèces, tu transgresses l'interdit de baltosif. On n'a pas le droit, dans toutes les mitzvahs que la Torah nous a donné à faire, tu mets juste ce que je t'ai dit et pas autre chose. Notamment, donc le lulav, tu n'as pas le droit de prendre une cinquième mine. Imagine que maintenant, tu es... T'as une tendance communiste et tu veux prendre aussi du muguet, comme ça tu as du muguet aussi dedans parce que tu transgresses un interdit de la Torah de baltosif. Si tu en prends que moins, tu transgresses baltosif. Le baltigra. On n'a pas le droit de rajouter sur les mitzvot, on n'a pas le droit de supprimer. Quand tu as accompli une mitzvah, je t'ai demandé une quantité, je t'ai demandé d'être 4 coins de tzitzit. Tu peux pas, même si tu as un habit avec un cinquième coin, tu n'as pas le droit de mettre un cinquième coin de tzitzit. Et finis, je dis, tu mets 4 parachutes, t'as pas le droit d'en mettre plus. Je dis, tu mets un tefillin sur la tête, t'as pas le droit d'en mettre 2. Même ceux qui mettent 2, c'est parce qu'ils mettent un Rabbeinu Tam, mais ils posent la condition que si c'est l'un, c'est pas l'autre, et si c'est l'autre, c'est pas l'un. T'as pas le droit de faire plus que ce que la mitzvah de la Torah t'a dit. D'accord? On transgresse comme ça, Chazé Shalom, l'interdit de la Torah. Grande règle, 8e jour de Soukot, tu vas vouloir dormir dans la Soukot, tu transgresses l'interdit de nouveau. De rajouter sur les mitzvot. La Torah nous a donné une Torah Tachem Temima. Elle est parfaite, elle est exactement ce qu'il faut, elle est entière. Faut pas rajouter, faut pas supprimer. Sur notre lulav aussi. Je t'ai demandé de prendre les 4 espèces. C'est vrai que je t'ai demandé de faire un lien, les attacher. Mais si tu les attaches avec une 5e espèce, c'est vrai qu'on est en train de prendre 5 espèces. C'est ça la vie de Rabbi Yehuda. D'après Rabbi Meir nous dit non, pas du tout. Ce que tu dois les lier, ce n'est pas une obligation de la Torah, pas du tout. C'est tout simplement un midin zekeli vanveu, zekeli vanveu. Que toutes les mesures que tu fais, tu dois les faire avec splendeur, belle. Et de ce fait, c'est joli de prendre un beau loulav qui est bien attaché. Donc, puisque ça ne fait pas partie de la mitzvah elle-même de rajouter le higoud, mais juste pour embellir plutôt. Et alors, du coup, tu pourras même prendre n'importe quelle espèce pour le faire, même de la ficelle ou de quoi que ce soit. Et du coup, Rabbi Meir nous rapporte l'histoire que les habitants du Yerushalayim, ils avaient l'habitude de prendre des fils d'or comme ça et de les monter. Je me souviens, quand j'étais petit, j'étais toujours épaté. Il y avait spécialement on avait des bons juifs du Meknès, qui venaient directement de là-bas, ils décoraient leur lulav avec des fils comme ça en or, une belle couronne comme ça tout en haut. C'est exactement ce qu'il y avait à l'époque, quoi. C'est quelque chose qui ne se voit plus du tout aujourd'hui dans nos synagogues en général. Mais en tout cas, il y avait comme ça, ils décoraient comme ça des fils d'or, et sur ça, la Gemara vient nous dit non, pas du tout. En dessous, ils le fixaient avec, Rabbi Yehuda, il le rétorque. Non, ils le fixaient d'abord, ils mettaient, pour faire la mitzvah de Aguda, il rajoutait. Après, le reste, c'est une décoration supplémentaire qui est rajoutée sur le haut du lulav. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine d'atzlacha et kol tov.